les loisirs. Puisque nous ne sommes pas en direct, c'est quand même une émission quotidienne qui s'enregistre en... Alors nous ne sommes pas en direct, comme je vous le disais, parce que là au moment qu'est-ce que je vous couche, je suis en vacances. C'est-à-dire que là, je suis à la télé, mais je suis en vacances. C'est beau la télé. Toujours est-il, on va faire une émission toujours dans la bonne humeur. Est-ce que tu te rends compte que t'es la risée de la SFP? Tu te rends compte que t'es complètement pété dans ta tête? Tu sais que maintenant, les enfants qui m'envoient des dessins, ils mettent le téléphone et ensuite, il y a un mec complètement pété, ils mettent le cadreur fou. T'es complètement cassé. Bien, si vous voulez participer à cette émission et finir dans le même état que cette chose-là, eh bien, vous tapotez... Non, vous tapotez pas, c'est tout à l'heure qu'on tapotera. Vous composez le numéro de téléphone qui défile en bas de votre écran et vous expliquerez votre problème à la personne que vous aurez au téléphone. Donc, vous pourrez venir soit comme candidat, soit comme, invité dans le public. Enfin, voilà. Bon, allez, on y retourne. Vite dans ta chambre, tu vas passer un gros montage. Tu vas pas prendre le RER comme ça, quand même. Si, il est pété, pauvre garçon. Il est pété, pauvre garçon. Cynthia, qui est montée sur roulette ce soir. Bravo l'équipe des Bleus, bravo l'équipe des Blancs. Chacun d'entre vous remporte un an d'abonnement au magazine Télé Loisirs. Et n'oubliez pas que notre partenaire presse vous donne une possibilité supplémentaire de gagner. Attention, exceptionnellement, cette semaine, vous aurez un tirage au sort hors antenne, sous le contrôle d'un huissier, et votre nom défilera en bas de votre écran. Attention, la semaine prochaine, vous aurez aussi l'occasion de gagner 10 000 francs. Pour cela, il vous suffira de découper votre bulletin Télé Loisirs de cette semaine ou de le recopier sur papier livre et de l'envoyer avant samedi minuit à l'adresse qui se trouve en bas de votre écran. Voilà, ça y est, on a cassé la dame. On a cassé la dame. L'énigme. C'est une histoire très méchante et qui me fait beaucoup rire. C'est encore très méchant pour le PSG, hein, évidemment. Mais c'est adaptable, hein, vous vous en foutez, hein? Vous êtes pour l'OM, hein? Ouais. Ben exactement. Bien, alors, c'est un type qui invite un copain pour voir le match de foot. Alors, il invite le copain, et puis il arrive, il se met dans le canapé, puis il commence à picoler la bière, et puis c'est PSG-LOM. Alors, et puis il y a le chien. Il y a le chien Rafik. Rafik, c'est un labrador qui est gentil comme tout, comme ça. Et alors, le match commence, et à la 12e mi-temps, à la 12e minute du jeu, il y a un joueur de l'OM qui tire et pend. But. Le PSG prend un but. Et à ce moment-là, il y a le chien qui... Alors le mec, il regarde le chien, il dit, il est super ton chien, à chaque fois que le PSG prend un but, il aboie. Il fait, ouais, c'est comme ça. Putain. 22e minute, pan, un but. PSG qui encaisse un deuxième but, le chien. Il dit, je ne crois pas, à chaque fois que le PSG prend un but, l'autre il aboie. J'attire le chien, j'attire le chien. Hop, la première mi-temps se finit, hop, il discute un coup, il téléphone, hop, une bière. Deuxième mi-temps. La dernière minute de la deuxième mi-temps, l'OM, pan. Un troisième but, PSG qui encaisse le but. L'autre qui fait la gueule, bah oui, des fois ils prennent 3-0. Hein. Pan, PSG qui prend un but. Oh, il est vieux. Et le chien. Alors le copain, il fait, c'est super ton chien. Il aboie quand le PSG marque et il prend un but. Mais qu'est-ce qu'il fait quand le PSG marque un but? Alors l'autre, il fait, je sais pas, il n'y a que 3 ans que je l'ai.
Là, c'est juste pour Deniso, hein. C'est une affaire entre Michel et moi. Bien, allez, le chiffre de l'énigme correspond au nombre de buts qu'a pris le PSG. Bien, alors, mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous allez pouvoir voter par Minitel en nous donnant le numéro de téléphone qu'il fallait tapoter, machin et tout ça pendant quelques temps. Le public, lui, va écrire un numéro de téléphone plus le nom, le prénom, et on va faire le tirage au sort par un huissier. Et pendant ces quelques instants, eh bien, on va vous montrer le meilleur du pire de l'or à l'appel. Vous savez, tout ce qu'on voit et que c'est trop tard, qu'on ne peut pas le couper parce que c'était en direct. Si, si, vous allez voir, on se retrouve après. Vas-y, Coteau, au revoir. Voilà. Ah 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 salaud c'est Himmler. Il va péter, celui-là, il va péter. Il va péter. Il va péter. Voilà. C'est une victoire des Blancs. Bon, celle-là, elle est bonne. Une émission explosive qui va nous péter à la gueule. Et merci les mecs. C'est le 1 qui doit péter, c'est le 8, je le prends dans la gueule et merci. C'est l'anarchie totale. 5 secondes. Allez, c'est la suite décisive. C'est la suite décisive. On va juste. Animaux. Attention Lynn, attention Lynn. Ouais, ouais, les balles, les balles, les balles. Feu. Christelle, ça surprend, hein. Elle m'a sauté dessus. Allez, on se dépêche, on a faim, nous. Gagné, mesdames et messieurs, qui dans le public a gagné les 10 000 francs? Vous êtes 200 à avoir voté. Il y a un bulletin qui va être tiré par notre huissier. Mesdames et messieurs, voici le nom du gagnant. Merci. Sandrine Paulmier. Sandrine Paulmier, venez, venez vite. Sandrine, venez, venez. Venez, Sandrine, venez. Venez. Voilà, venez. Venez, Sandrine, n'ayez pas peur. Voilà, on va se déshabiller tout de suite. Ah, oh, on déconne, oh, comme l'émission, pour une fois, on peut déconner. Sandrine, achetite ma mère. Eh ben, elle est pas belle, la vie. Et on s'embrasse sur la joue, parce qu'il y a du monde. Hein. Bravo, Sandrine. Bravo, Sandrine. Faut bien parler dans le crachoir. Ah ouais, OK. Voilà. Sandrine Paulmier, comment vous appelez-vous? Sandrine Paulmier. Bien, vous nous arrivez d'Outil? D'Evreux, dans l'heure. D'Evreux, dans l'heure. Vous venez de gagner 10 000 francs. Ah bah oui. Êtes-vous contente? C'est joli, j'ai qu'il est question con. Je suis super contente. Non, il faut répondre. Ah, 10 000 francs, ouais, c'est super. Tout. Très bien. Voilà, le numéro de téléphone que vous avez inscrit sur votre papier était le 01 64 44 47 63. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Sandrine Paulmier. Merci Sandrine, bonne soirée. Les GAFET, venez me retrouver. Les deux équipes, venez me retrouver. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Le nom du gagnant par Minitel va s'afficher sur votre écran juste après le générique. On se retrouve demain pour une autre émission dans les mêmes conditions. Bye bye! C'était l'heure à l'appel avec le magazine Télé-Loisirs.